C'est moi Ardoun et aujourd'hui nous allons critiquer un jeu mobile créé par Nintendo. C'est un jeu Mario Kart, il s'appelle Mario Kart 2. Pour commencer, je vais vous présenter le jeu. Mario Kart Tour contient 78 circuits dont 25 circuits originaux de Mario Kart Tour, 15 circuits SNES, 7 circuits N64, 5 circuits GBA, 2 circuits GameCube, 4 circuits DS, 4 circuits Wii et 11 circuits 3DS. En ce qui est gameplay, le jeu ne se joue qu'en ligne, très bien pour les gens dans les pays pauvres qui veulent juste jouer à Mario Kart. Le jeu est pay to win et en plus il y a un Battle Pass, au lieu de simplement faire un mode mission, comme dans Mario Kart DS, Nintendo a voulu directement mettre plusieurs versions de circuits, ce qui peut nous faire arriver au grand total de plus de 125 circuits. Ce qui saoule un peu quand tu veux jouer à des nouveaux circuits au lieu de te faire chier à faire les mêmes de façon différente. En plus juste pour un lot de 1 perso, un véhicule et une paravoile qui coûte entre 19 et 30 euros. Les graphismes sont aussi low poly, après tout faut pas être étonné, c'est un jeu mobile. Je reste bien, pas trop de lag, mais car reste à revoir. Ça fera un bon 4 sur 10. Aussi, un énorme scandale a eu lieu au sujet du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Les textures et les modèles utilisés dans les circuits sont quasiment les mêmes que dans Tour. Grosse erreur de fainéantise de la part de Nintendo. En plus, dans les versions françaises du jeu, peut-être pâle, européenne, dans le circuit de Jeu Ninja, le jeu n'affiche pas que le circuit vient de Tour, ce qui a pu déclencher des déceptions chez certaines personnes pensant tomber sur un nouveau circuit. Bref, la situation est grave.